la chance, tout le monde. Le tout le monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire à la fois les représentants des acteurs économiques. Là, vous avez le représentant de la CCI et le représentant du MEDEF, mais ils sont aussi chefs d'entreprise. Et donc, l'idée, c'était de trouver une structure où on est à la fois les représentants des différents syndicats patronaux, organisations patronales et tout ça, mais aussi des chefs d'entreprise en tant que tels, qui ont une approche un tout petit peu différente, même si demain, ils peuvent se trouver à tour de rôle à la tête d'une structure. Mais tu ne parles pas de la même façon quand tu parles au nom. Quand vous parlez du MEDEF, ce n'est pas pareil que si on discute tous les deux de votre boîte. Ce n'est pas exactement la même chose. Vous ne direz pas exactement la même chose. Donc, réunir les uns et les autres. Et ça, c'était pas comme ça avant? Et non, il y avait, Non. tu vois, il manquait des gens, il n'y avait pas assez de, il y avait pas assez de gens, il n'y avait pas assez de gens qui étaient individuellement présents. C'était un peu cartel d'association, quoi, je ne sais pas comment il faut dire. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'était que on n'avait pas donné les moyens. Or, si tu veux faire des choses, il faut avoir les moyens. Le on, c'est vous, l'agglo? Ouais, On c'est, qui? oui, l'agglo. L'agglo. D'accord. Non, je. Excusez-moi, de l'instant, je me permets ou pas? Je sais pas, Je vous j'hésite. amasse. Non, c'est parce que ça, Je vais demander à mon chien ce qu'il pense de cette interruption course. Tu peux aller la mordre, Jojo. Au lieu de Juste dormir, m'intéresser, je elle voulais a. Elle savoir a si ça avait pas qu'il faut être hyper mais précis, ouais, là, mais on je est sais bien, dehors, on sait non. pas qui. Avant que ça me gêne. Bon, l'agglo, vous n'avez pas donné L'agglo. assez de moyens. Voilà. On n'avait pas donné les moyens. Et sans les moyens, tu fais pas. Vous verrez tout à l'heure, on a mis en place un site. Tu n'organises pas une soirée comme on l'organise ce soir. Tu envoies pas des gens de chez nous dans tel ou tel salon professionnel. Tu réunis pas autour de tel ou tel thème de réflexion. Des gens, ça demande des moyens. On ne s'était pas donné les moyens pour faire ça. Et ensuite, on s'est dit, est-ce que autour de nous, il y a des choses qui marchent? Et il y a une agence de développement économique qui regroupe CET et AGDE, qui s'appelle Blue, et qui fonctionne. Et finalement, on n'est pas plus con que d'autres. Quand les choses fonctionnent, on est allé voir pourquoi ça fonctionnait, et on s'est dit, on va essayer un peu de tirer les leçons de ce qu'ils font. Quand vous faites un journal, s'il y a une nouvelle maquette qui fonctionne bien, pour avoir fait ça pendant 40 ans, tu regardes pourquoi elle fonctionne bien et tu essayes d'apprendre de ça. Et donc, on a essayé d'apprendre de ça. Voilà. Et donc, aujourd'hui, c'est Pulse. Or, Pulse. Parce que là, il y a des mecs qui font les marioles, c'est le type qui est à côté. Il faut dire Pulse. Non, on fait ce qu'on veut. Ouais, c'est pas ce que tu m'as dit quand même. T'as Je commencé suis parfaitement désagréable. correct. T'as des désagréables sur Pulse, parce que ça a du dynamisme, quelque chose qui fonctionne et tout, qui marche, qui respire, qui donne du tempo, qui donne de l'énergie. Au fond, c'est ça, Pulse. C'est un lieu où on va aider, pardon de répéter, mais c'est la règle de ce métier. Le mien, en tout cas, c'est de répéter 23 fois exactement la même chose. Mais il ne faut pas que vous soyez 23 fois à mes côtés. Parce que 23e, j'ai essayé d'autres mots et je ne les trouverai pas. Un, aider les entreprises qui sont d'ici à se développer, leur trouver des réponses en termes de terrain, en termes de personnel, en termes, tout à l'heure, on en a parlé, de simplification. Est-ce qu'on peut être auprès d'une administration les avocats de tel ou tel? Moi, je fais ça souvent. J'appelle, évidemment, j'ai plus facilement le préfet ou le patron de la DDTM que quelqu'un d'autre. Donc, ça sert à ça. Faire ça, c'est-à-dire être une espèce de, comment vous dire, de guichet où toutes ces questions, on essaiera, soyons modestes, d'y trouver des réponses. Deuxièmement, donner envie aux gens de venir ici. Et c'était très juste ce qui a été dit tout à l'heure. Dans toutes les villes de France et de Navarre, il y a des gens comme nous qui se posent les mêmes questions. Qu'est-ce que nous, prenez-le, c'est une expression journalistique. Quelle histoire on peut raconter? Pas histoire au sens de mensonge. Un bon article dans la presse, vous avez vu, je la prends à partie. Non, mais vous savez, mais chaque fois, on en rediscute ensemble tous les deux. Raconter une histoire, un récit qui donne envie de dire, ici, attendez, on n'est pas, c'est pas, il n'y a pas nous et le reste du monde, mais nous, dans le monde entier, qu'est-ce qu'on peut dire qui fait que tu puisses avoir envie de venir dans ce coin du département où il y a
350 000 personnes à peu près dans cette partie du département, où il y a la mer, où il y a Genvia, où il y a des autoroutes. Mais essayez de le dire, ce récit-là, le raconter de façon différente, le raconter de façon un peu sexy. Moi, je n'en peux plus d'un certain nombre de mots. Je le dis tout de suite, ça va couper les effets à tout le monde. Je ne peux plus parler d'attractivité du territoire. C'est un truc qui me sort par les yeux, tellement c'est une banalité. On va essayer d'inventer ensemble, pas seulement des images pour donner envie, mais des mots pour les dire. Pardon, un bon papier, c'est pas une suite de perles que tu enfiles. C'est aussi trouver un ton, une envie, ouais, un truc qui te dise, tiens, ces mecs, ou ces filles, pardon, moi je suis macho. Avec un grand H, les hommes avec voilà, un grand H. Voilà, on est d'accord. Donc. On doit trouver d'autres expressions, d'autres... Voilà, non, comment donner envie. D'autres images. Et donc, ouais, d'autres... Pulse, ce sera ça. Ce sera un lieu où on va réfléchir ensemble à trouver que on est ici dans un coin qui a de vrais, pas de vrais, pas un potentiel, mais déjà des choses qui le différencient des autres. Voilà ce qu'on va essayer de faire, et puis on va faire un lieu aussi où des gens rencontrent des gens qu'ils ne peuvent pas rencontrer, d'où par exemple l'histoire de l'idée de faire venir François Langlais ce soir, parce que c'est peut-être le journaliste économique le plus connu en France. Voilà, et l'idée c'est, il va nous apporter des choses, enfin on espère, on va voir, peut-être qu'il va dire que des banalités, enfin moi je le connais assez bien pour ne pas penser qu'il dira que des banalités, pour qu'il apporte un certain nombre de choses. Voilà, vous allez parler tout de suite. En gros, voilà, c'est un peu, pas forcément très organisé, mais l'organisation, elle viendra, on y arrivera. Madame. Alors moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que effectivement, derrière le mot pulse, ben, y a une forme de dynamisme. Hein. On vient de parler de pulsation, mais ce n'est pas une petite fréquence sensible, c'est vraiment... une véritable volonté d'orchestration, il y a des humains derrière, des collectifs, du privé, une vraie dynamique, une symphonie, mais pour avoir une symphonie, eh bien, il faut des instruments, des couleurs, de la diversité, et c'est ce qu'on voit dans ce logo. Donc si je peux juste dire une chose, c'est que derrière Pulse, il y a une volonté d'agir, une volonté de pulser, de la modernité, de l'innovation, de la différenciation. Des valeurs qui nous animent, on a des ambitions, il y a des enjeux stratégiques, vous en retrouvez un certain nombre, mais une volonté forte d'in fine développer notre territoire. L'économie d'un territoire, eh bien, c'est effectivement le poumon. Alors, on pourrait revenir sur le champ lexical du cœur et de la pulsation, mais là, c'est un véritable poumon, c'est la vie. Et par capillarité, on est ici réunis. Alors moi, personnellement, je ne suis absolument pas issue. Je fais pratiquement aucune activité économique localement. Par contre, on a tous un devoir de composer ensemble pour avoir les meilleures des énergies pour aller construire demain. Et c'est ça qu'on a envie de faire avec l'agilité, modernité et puis une belle diversité et un beau cocktail de couleurs et d'énergie. Voilà. Mathilde Boulachin, non, je l'appelle. Vous avez la modestie de ne pas dire ce que vous faites et tout, donc elle sera vice-présidente de Pulse, et vous la connaissez, elle est dirigeante et fondatrice de Pierre Chavin, et elle vend du vin un peu dans le monde entier. 93% à l'international, et c'est pour ça que je vous dis, ici, on n'a pas des volontés autour de cette table qui sont de fondamentalement venir générer sa propre activité économique. C'est une véritable volonté, et on le représente tous les deux dans nos activités respectives. Quand on fait de l'international, on a priori un intérêt économique tout à fait relatif. Simplement, on est en interaction constante, penser qu'on est en autarcie, c'est absolument impossible. Et dynamiser une économie locale, c'est profiter à tous. Générer de la valeur ajoutée, c'est un profit pour tous. Et effectivement, œuvrer dans un territoire où il y a une place pour les jeunes pousses, une place pour les développements de société, une place pour celles déjà devenues grandes, tout en capitalisant sur un passé et en allant co-construire le futur, moi je pense que c'est sans doute la meilleure des intentions que nous avons là. Et en plus, le vent du vin sans alcool, on se connaît assez,
Pour me dire sur à quel point j'y suis sensible. C'était plaisanterie, c'était off. Cédric. Merci. On va avoir plusieurs enjeux. En fait, tous ensemble, ça va être de se nourrir de cette association du privé, des acteurs privés que nous sommes, et du public. Essayer de capitaliser sur la réactivité des acteurs privés et de l'expérience des acteurs publics sur tous ces sujets de territoire, de promotion du territoire. Et sur ce qu'on veut faire, en tout cas, il est absolument nécessaire pour nous de fédérer un maximum d'entrepreneurs, je disais du plus gros, on sait très bien qu'il y a de grosses sociétés chez nous, jusqu'au plus petit, jusqu'à l'auto-entrepreneur qui veut faire porter sa voix. Et pour ça, on mettra en place des outils numériques évidemment, pour faciliter l'accès à la remontée d'informations. Par des petites actions concrètes, je pense qu'on peut arriver à des résultats. Et ces résultats, ils doivent se faire dans le sens commun, le sens de Béziers évidemment, parce qu'on a un secteur qui est formidable, tout le monde le sait. On a un secteur qui est plein d'énergie, on a des opportunités formidables avec Eden, avec Genvia. Si on se fait pas aspirer par cette dynamique, on aura tout perdu. Et voilà. Et le rôle de Pulse, c'est de suivre cette dynamique, c'est d'imbriquer tous ces petits clusters qui travaillent tous autant qu'ils sont avec une très très bonne volonté, mais à côté les uns des autres. Il va falloir faire un empilement de poupées russes pour arriver finalement à n'apporter qu'une seule voix, un seul message. Si on arrive à ça, on aura vraiment fait un travail plutôt sympa, je pense. Voilà, merci. Alors c'est Pulse, c'est Pulse. Il faudrait savoir. Hein. Mais peu importe, parce qu'ici, il y a une vraie ouverture d'esprit et il y a une véritable volonté d'accueillir, inclus des dimensions internationales. Donc pourquoi pas le Pulse. C'est pas tout à fait rien, vous avez entendu là quand même. Mathieu Dossouat, donc vous connaissez de la Chambre de commerce. Oui, Pulse, voilà, beaucoup de choses ont été dites et c'est aussi un esprit d'équipe. Et cette capacité à fédérer des gens. Vous l'avez vu, des chefs d'entreprise qui ont réussi. Il n'y a pas que Mathilde et Cédric, il y en a d'autres, 15 chefs d'entreprise remarquables du territoire, mais il y a aussi des institutions. Moi, je représente la Chambre de commerce, on a le MEDEF qui est ici présent et représenté par Mathieu. Il y a InnovoSud, la pépinière d'entreprise, on a la CPME qui sera à nos côtés, l'Alliance Eden aussi. Donc, on voit qu'on a tous envie d'aller dans le même sens et d'œuvrer à ce même destin. Et ça, c'est important, et cet engagement, il me semble très important, parce que si on veut donner l'opportunité à nos enfants de continuer à apprendre, à être formés ici, sur notre territoire, de leur donner un job qui soit confortable, et en plus des conditions de vie et des infrastructures qui soient de qualité, ben, il faut qu'on le fasse tous ensemble. Et c'est ça que j'apprécie, moi, et ce qui me fait aller dans Pulse, c'est qu'on relève ces défis ensemble, et donc on va œuvrer pour avoir une notoriété, attirer des gens, attirer des belles entreprises ici. On va œuvrer pour avoir des formations qui soient bonnes pour nos enfants, et continuer à structurer des filières, nos filières d'exception, et justement on va les soutenir, ces filières. Il y a la filière industrielle, moi j'y suis très attaché, mais il y en a d'autres. Il y a le tourisme, il y a la viticulture, l'œnologie. Et donc si on se mobilise tous ensemble, qu'on fait face pour avoir ces infrastructures, ces formations de qualité, ben, on va y arriver, on va faire quelque chose de beau. Mathieu, vous voulez ajouter quelque chose? C'est gentil, merci, mais moi je... Enfin... je me suis un peu invité tout seul. Non, mais ça va. On essaye de tous bosser ensemble. Non, bon, je me suis invité, c'est pour ça que bon, voilà. Mais très heureux de cette ouverture de l'agence de développement économique que mes prédécesseurs avant moi ont demandé. Très heureux de participer à cette aventure. Parce que simplement, hein, je ne vais pas me répéter avec tout ce que vous avez dit, hein, mais je suis chauvin. Comme vous dites, Monsieur le Président, j'aime ma ville. Et on a envie de le faire savoir à nos copains entrepreneurs. C'est-à-dire que quand on monte à Paris, quand on va à Toulouse, ouais, ben à Béziers, c'est chouette. Il se passe des trucs. Les planètes, elles sont alignées. Il y a plein de choses qui arrivent. Moi, il y a un truc qui m'a fait... qui m'a rendu... pour moi, ça a été un tournant, quoi. Cette installation du bachelor universitaire en robotique, hein, et intelligence artificielle, c'est quand même un signe. C'est une chance pour nous qui est exceptionnelle. On va enfin rapprocher la formation des bassins d'emploi. Ça fait 30 ans qu'on connaît une centralisation sur les formations. Les étudiants, ils sont concentrés dans les métropoles. Et nous, les villes moyennes, comme nous, on est dépouillés de notre jeunesse.
Et ouais, ben cette ville, en ce moment, elle est en train de dire des choses. Hein. Les planètes sont alignées. Et le fait de pouvoir échanger, et il manquait un organe comme ça où on pouvait parler avec la force publique, où on pouvait échanger et débattre, ben je pense qu'on va arriver à construire des choses encore plus fortes. Et en termes d'image, je pense qu'une fois qu'on aura décidé une sémantique ensemble, quand je verrai mes copains à Paris, je dirai, ouais, mais viens à Béziers parce que y a les planètes sont alignées, mais il n'y a pas que ça. On a de la formation, on a des mobilités, on a des entreprises, on a des terrains, on a tout. Viens voir ce qui se passe. Voilà. Et ça, je pense que quand on sera en mesure, nous, chefs d'entreprise, de dire ça, ben, c'est-à-dire que l'agence de développement économique, elle aura gagné, quoi, en fait. Et c'est, je pense que l'objectif, il est là. Voilà. Le jour où on aura les mots. On n'est pas obligé, comme étudiant, d'ajouter con à la fin de chaque phrase, quand même. Pardon ? Essayer de trouver d'autres spécificités. Mais voilà. Nous, on a bossé, là, maintenant. C'est juste un tout petit peu avant. Juste une petite question, si savoir comment va se structurer cette agence. Est-ce que vous avez déjà en tête un budget de fonctionnement s'il va y avoir des salariés propres à l'agence ou est-ce que ce sera des services mutualisés? Non, alors, la réponse structurée, vous avez compris, donc il y a un bureau, vous l'avez là, le bureau, 1, 2, 3, 4, plus Christophe Thomas, qui n'est pas là, mais qui est le vice-président de l'agglo en charge des questions économiques. Vous avez un conseil d'administration, vous avez la liste, non, le conseil d'administration, ouais. Vous les avez. Ils y sont, voilà, vous avez les gens. Ah, vous avez tout. Le budget, il fera plusieurs centaines de milliers d'euros par an. On va voir ce que ça représente, ce dont on a besoin. On s'y est engagé, l'agglo, donc on le fera. Vos questions, c'était quoi? J'essaie de répondre. Sur le nombre de salariés, s'il va y avoir des... Non, on va s'appuyer sur Viatera. C'est Viatera. L'agence de développement économique sera appuyée, organisée par des gens qui travaillent à Viatera, qui partent. Le personnel de Viatera sera payé pour consacrer une partie de son temps à l'agence de développement économique. Pourquoi on n'a pas fait séparément? Pour les raisons que vous indiquiez tout à l'heure. Le problème, c'est l'éparpillement. Tu vois, c'est quand même mieux que tu travailles pour Pulse. En même temps, le reste de ton temps, tu le passes à Viatera, c'est-à-dire à un endroit où on parle d'économie tout le temps. Et ça facilite les choses. Enfin, on le sait tous. Pourquoi il y a des open space qui ont été mis au départ? Parce que tu pensais que si tu étais à 20, alors, au bout d'un moment, à 20 dans un même bureau, tu en as juste ras-le-bol. C'est autre chose, ça. Mais que l'échange d'informations, le fait d'être dans le même lieu et de se parler, ça te facilite plutôt la vie. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi ce moyen-là. Mais ce sera le budget, c'est l'agglo qui le donne. Il y aura-t-il un directeur de développement économique qui chapeauterait tout ceci? On est en train de le recruter. Un directeur, hein, vous avez dit? Un directeur du développement économique. Si vous êtes candidat, il faut me le dire. Question peut-être pour les chefs d'entreprise donc, qui sont les vice-présidents. Est-ce que, pour vous, vu l'urgence économique, on parle beaucoup actuellement, il y a des sujets sur lesquels l'agence devra intervenir très concrètement et le plus rapidement possible. On a parlé du foncier, mais j'imagine qu'il y a beaucoup d'autres choses selon vous. Alors déjà, la première réunion de travail, ça va être exactement ça, de mobiliser les grands enjeux. Et pour ça, c'est une remontée collective. On ne peut pas les imaginer, c'est-à-dire tout à chacun, on a nos propres problématiques. Par contre, collectivement, il faut faire une remontée, un recensement. Quels sont les problèmes, les hiérarchiser, comme on le ferait dans une société, à intervenir dessus, émettre des opinions, des idées, et co-construire ensemble. Donc ça, c'est le premier des défis. Ensuite, il est une évidence que Béziers, comme toutes les villes de France, comme ici, comme ailleurs, on doit avoir les grands enjeux en ligne de mire. Les grands enjeux, on a parlé de recrutement, de talent, de RH, mais pas que. On peut parler de transition, on peut parler de démarche RSE. Et ça, c'est pas aujourd'hui. On est déjà en retard sur ces sujets de préoccupation. Et c'est pas un devoir. C'est justement un devoir que devoir activer. Et ensuite, on a une véritable volonté de se mobiliser dans une mutation, une accélération. On est ici, en tant que chef d'entreprise, dans un fonctionnement économique mondiale qui est en plein bouleversement. On vit des schismes, tous les ans il nous arrive quelque chose. Donc ça requiert une agilité constante, mais au-delà de ça, c'est même plus être dans une
dans une transition, c'est-à-dire qu'on a besoin d'accélérer le destin en ce qui nous concerne pour pouvoir évidemment être face à tous ces enjeux macroéconomiques qui sont bien présents. Il n'y a pas un secteur plus précisément sur lequel vous allez travailler, vous voulez fixer, de développer la production, je ne sais pas. On a des filières. Alors, il y a des filières qui sont très clairement bien répertoriées ici, qui font partie de notre territoire économique avec des industries totalement probantes. Par contre, on va aller pousser l'innovation. On vient de parler de l'intelligence artificielle. Sans innovation, l'idée générale, c'est pas de faire table rase de tout ce qui se fait, c'est au contraire d'avoir une véritable acceptation de notre passé et de se dire il y a des choses magnifiques qui ont été faites. Moi personnellement, je viens de la filière du vin et je me dis c'est fantastique d'avoir 20 siècles d'histoire vinique derrière moi. Mais par contre, l'innovation en poche et on va chercher la co-construction du futur. C'est ça l'idée générale. Donc oui, il y a des filières d'exception, on en a parlé, des filières d'excellence. L'innovation, la différenciation. Mais ça, on a un petit peu de travail devant nous et c'est exactement ce qu'il va falloir aller déceler. Être réactif, ça ne veut pas dire s'agiter dans tous les sens et faire n'importe quoi. Il faut prendre le temps de réfléchir. Deuxièmement, moi j'ai envie de vous dire qu'on vit une époque formidable. Formidable parce qu'on est en pleine crise, dans plein de milieux, dans plein de secteurs et des crises naissent les opportunités. Et là, on a l'opportunité de travailler tous ensemble, de réagir enfin tous collectivement à ce qui se passe actuellement sur la planète. Il faut produire différemment. Encore une fois, je reparle d'Éden parce que pour moi, c'est une condition sine qua non à la réussite de notre territoire. Si on ne sait pas transformer l'industrie, si on ne sait pas transformer toutes les entreprises, on va échouer. Tu parlais de RSE tout à l'heure, Mathilde, je te rejoins. On ne répond plus à un appel d'offres si on n'a pas une entité RSE forte dans son entreprise. Oui, mais idem si on s'éparpille. Si vous vous éparpillez et que vous ne vous concentrez pas sur quelque chose. On va se concentrer, mais on ne va pas se dépêcher de faire n'importe quoi. Voilà, on va réfléchir. Du coup, on ne sait plus. Oui. Innovation, industrie, filière, tourisme. Mathilde l'a dit, il y a des filières qui sont probantes, qui fonctionnent. Il faut les mettre en exergue. Mm-hmm. Et pour celles qui n'ont pas encore eu l'occasion de s'installer ici, les identifier et leur permettre de s'installer, tout simplement. Voilà. Il y a des filières techno, peut-être. Enfin, je suis le symbole d'une filière techno naissante. Je suis dans le drone. C'est une filière qui n'a que 10 ans. Il y a encore possibilité de faire venir de nombreux acteurs sur le territoire dans ce secteur-là, qui pour moi est un secteur d'avenir et qui va prospérer pendant de nombreuses années. Donc il faudra bien identifier ces gens-là, et puis leur proposer l'accès au territoire de façon simplifiée, avec un guichet unique. Je sais, on en parle tout le temps de ce guichet unique, mais de façon simple, de mettre des outils à disposition, et comme disait le président tout à l'heure, d'avoir des interlocuteurs qui facilitent l'accès. Bon. Il ne faut pas partir dans des délires tout azimut, il faut se concentrer, faire les bons choix, et mettre en place des outils simples. Comment on le ferait au sein de nos sociétés ? La feuille de route, tout est encore à faire. Hein. On est face à pas une page blanche, mais on a tout à faire. Les objectifs, on les tient. Les valeurs qui nous animent, vous venez de les entendre. Les enjeux stratégiques, on les tient. Maintenant, libre à nous de co-construire. Et là, pour le coup, on a une petite équipe. A priori, on est en capacité de phosphorer. Si on a pu créer des boîtes... pour la mienne, de zéro, on devrait pouvoir faire quelque chose d'assez dynamique et d'assez positif. Et puis on se reverra et on viendra vous expliquer le bilanciel au bout d'un certain nombre de mois. Parce que oui, je suis convaincue avec tout le monde autour de cette table qu'on va réussir à pulser. L'existant et à venir. Et ce qui, hein, c'est ça, c'est voilà. Une filière d'avenir. Bah, il y a des, si je peux me permettre de complémenter, bon, ce travail, on va le bâtir, vous l'avez compris, puisqu'on est au lancement. Mais il y a des filières aujourd'hui qui sont naissantes et qui ont un impact fort, une valeur ajoutée, et un impact national, voire international. Quand on parle de l'Éden et de ce que Geneviève a créé, l'AGLO a déjà montré comment elle pouvait soutenir cette filière, et bien sûr que Pulse va être au service de l'Éden. Donc ça, on peut vous répondre déjà qu'on va soutenir ce projet. Mais on ne peut pas laisser à côté, vous nous demandez de choisir, on ne peut pas laisser de côté ce qui se passe dans la viticulture. Non, je ne vous demande pas de choisir, je vous demande est-ce que vous n'avez pas donc, choisi justement pour pouvoir bien focaliser sur un secteur. Non, ce ne sera pas le cas. Il y aura des filières d'excellence, où là on va les soutenir peut-être un peu plus sur le foncier ou d'autres thématiques qui seront à définir.
Mais la viticulture, le tourisme, où on a beaucoup de choses à faire et qui est un poumon de l'économie, c'est des filières qu'on ne va pas laisser de côté et on va les dynamiser. Ouais. Donc on travaille à ça. Un des paris de Peul, c'est d'expliquer une chose qui peut paraître contradictoire. Expliquer que Genvia est une chance, pas pour Genvia, mais pour nous tous. Qu'on n'a pas à choisir ou à prioriser. On ne choisit pas Genvia contre les autres entreprises. De la même façon qu'on ne va pas sacrifier Genvia en disant « Ah oui, mais ils ne sont pas d'ici, tout allemand, ils viennent d'arriver, on va privilégier ceux qui sont là depuis des dizaines d'années. » Encore que Schumberger, c'est un moment qu'ils sont là. Voilà, et donc c'est ce pari-là, c'est-à-dire faire que cette mayonnaise prenne. Et je pense que le fait de se retrouver ensemble dans la même structure, ça va nous faciliter. Ça va éviter les faux débats, les fausses polémiques qui n'ont pas lieu d'être, en disant on a tous besoin les uns les autres. Si la formation, si nos amis de Genvia ont besoin de former des ingénieurs, pardon, il n'y a pas que vous, vous en avez besoin autant d'ingénieurs que Genvia. Et si on forme, si on met en place des formations de ce type-là, tout le monde en profitera. Je pense qu'il faut qu'on fasse ça. Et à Béziers, on a trop raté d'occasions dans le passé, ça nous est arrivé, pour rater celle-ci. Celle-ci, elle est contre personne, elle est avec tout le monde. Ce projet GNG risquerait pas de mobiliser beaucoup de fonciers dans l'hypothèse du postulat d'une implantation d'une très grosse entreprise qui serait séduite pour une possible implantation à Béziers? Oui, c'est le travail qu'on fait en ce moment avec Viaterra, c'est-à-dire à la fois on a pris un certain nombre d'engagements en termes de fonciers vis-à-vis de Genvia, parce que si tu prends pas l'engagement, ils viennent pas, c'est aussi con que ça. Bien, si tu leur dis pas, il y a plusieurs dizaines d'hectares tout de suite disponibles, ils viennent pas, ils choisissent d'aller ailleurs. Et ça va pas arriver. Et la deuxième chose, c'est développer ce qu'on est en train de faire, le parc des terrains dont on dispose. On le dira et on travaillera là-dessus tous à Peul, parce qu'il y a un certain nombre de propositions. On ne voit pas qu'on n'est plus qu'aux propositions. On est à l'achat de terrains et tout ça pour dire à tous les autres, mais attendez, on ne vous oublie pas. Voilà, il y a des terrains là, là, là. Est-ce que vous avez une estimation des hectares qui seraient potentiellement mobilisables hors périmètre Genvia? Là, comme ça, je ne vais pas vous répondre. Ouais, mais c'est... Non, parce que d'abord, on va juste y travailler. Ah, plus que ça. Plus que ça. Plus que ça. On a trouvé des belles opportunités de terrain qu'on a acheté déjà. Et un de nos travaux, de notre travail, ce sera de les rendre accessibles à tout le monde en disant rien ne se fait au détriment de tel ou tel. Et quand on regarde les membres qui sont au conseil d'administration, on voit qu'il y a Genvia, mais il y a aussi des membres de la viticulture, justement, du commerce en centre-ville, des travaux publics, du tourisme. Donc on peut, mais il y a même donc Axilis sur la partie compta et comment on peut dire, c'est ingénierie financière. Donc je pense que les intérêts de personne ne seront oubliés, plus les syndicats, les institutions qui veilleront, et ça moi en ma qualité de membre de la chambre, je veillerai à ce que personne ne soit oublié, laissé de côté. Oui, vous avez réussi à rassembler tout le monde, on voit les noms, c'est pas rien. C'est la diversité, c'est ce que je vous disais dans l'explication logotypère. Vraiment cette mosaïque, un petit peu comme un kaléidoscope, d'ailleurs, pour faire référence à notre patrimoine viticole, on est face à une mosaïque de terroirs, ben là c'est un petit peu pareil, on va aller chercher la véritable diversité, et c'est dans cette diversité, dans ce jouon collectif, privé et public, qu'on va pouvoir essayer de s'entendre et de composer harmonieusement, et si je peux terminer là-dessus, sur cette symphonie qui va pulser, voilà. Et on va finir avec ça parce qu'on a juste dans 25 minutes la soirée qui commence et ça ne sera pas tout à fait ici. Vous y venez? Et après, il y a un pot, on pourra discuter et tout. Après, il y a un cocktail dînatoire pour dire pompeusement qu'on a mangé des fruits. Ouais, c'est ça.